Stéphanoise, stéphanoise bonsoir bienvenue dans ce nouvel épisode du saint night club c'est le quatrième après match de la saison. J'espère que vous allez très bien. C'est le quatrième après-match de la saison et nous n'allons toujours pas débriefer une victoire. Euh, mais nous avons quand même trois points au compteur. On va parler de tout ça ce soir. On va parler euh, du match contre Marseille qu'il y a eu ce week-end, évidemment. Mais on va aussi, bien sûr, parler euh, du mercato qui se termine demain minuit. Et on va parler aussi euh, de euh, la saison euh, qui vient. De euh, quelles sont nos interrogations, nos doutes euh, et nos espoirs, peut-être Peut-être quelques espoirs. Et euh, ce soir, pour parler de tout ça, je suis en compagnie de euh, Max de Synthé Inside. Bonsoir, Max. Bonsoir à tous, les amis. Euh, bon, bah, toujours pas de victoire, malheureusement. Euh, on aurait pu parler des jeunes. Hein. Au moins, on parlerait un peu plus de victoire. On va peut-être changer l'émission, je pense. Et ben, justement, pour parler des jeunes, on a Eric de Green Prospect qui est avec nous. Bonsoir, Eric. Bonsoir à tous. Ouais, J'avoue qu'il y aurait moyen de, de dire quand même beaucoup plus de choses. Euh, ce week-end a été prolifique pour les jeunes. Effectivement, il y a eu une, une victoire de la réserve 11-0, euh, ce qui n'est pas négligeable. On, on, on a vu que le Bayern s'était imposé 12-0 contre, contre une équipe de, de D5 cette semaine en, en Coupe d'Allemagne. Euh, notre réserve fait quasiment aussi bien que le Bayern, on peut le dire. Euh, nous sommes également en compagnie de Kevin qui va s'occuper du chat ce soir. Bonsoir Kevin. Salut, salut à tous, salut le chat. J'espère que vous êtes motivés. Aussi, autant que moi je le suis de vous retrouver en tout cas. Eh ben je l'espère aussi. Et on est ce soir en compagnie d'un invité de marque, vous le connaissez probablement, ou en tout cas vous avez déjà vu nombre de ses publications, puisque c'est Benjamin Danet, directeur général des publications euh, But euh, avec toutes ses... Euh, ses, 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 ses J'ai oublié le terme, euh, toutes ces euh, composantes, on va dire, dont But saint etienne fait partie. Bonsoir Benjamin. Déprimé par mon équipe, mais de cœur, mais ravi d'être avec vous ce soir. Eh ben, écoute, on est ravi de t'avoir avec nous aussi. Euh, bonsoir le chat, bonsoir à vous qui êtes là ce soir pour passer un bon petit moment avec nous. Euh, on est là ensemble pour une heure et on va commencer bien sûr tout de suite avec le débriefing du match. On y va. Et donc, euh, on va commencer par le débriefing euh, du match. Alors, on va essayer de faire un petit tour euh, d'énergie globale, voir euh, comment vous avez euh, vécu ce match samedi soir. Euh, ça, a été, euh, ça a été pour moi un moment assez douloureux, je ne vais pas vous mentir devant ma télé, mais peut-être que, euh, que, que vous avez trouvé du positif euh, dans ce match. On va commencer avec toi, euh, Benjamin. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de, de l'ensemble du match de manière assez générale euh, bah douloureux comme toi, ensemble assez consternant. Euh, J'ai cru hold up à la mi-temps avec cette superbe tête de notre ami Jezac et malheureusement la réalité nous est revenue en pleine face au cours de la seconde période. Une défaite de plus et plus inquiétant surtout toujours aussi peu euh, d'occasions nettes et toujours autant de pauvreté offensive, ce qui commence à être une marque assez récurrente depuis le début de saison. Ouais. Et on risque pas forcément d'avoir euh, beaucoup de recrues euh, dans, dans ce secteur de jeu-là. Euh, de ton côté, euh, Eric, est-ce que tu as trouvé des motifs de... En fait, en fait j'ai envie de, de, de vous envoyer directement là-dessus. Est-ce que tu as trouvé des motifs de satisfaction un petit peu Bah... Euh, C'est assez compliqué parce que même les entrants n'ont pas beaucoup apporté. Quand le Sabon est entré, j'espérais euh, une petite étincelle. Mais euh, en fait, je préfère voir les choses en me disant, euh, on a... Enfin, Marseille a été tellement fort, ils ont tellement été au-dessus de nous, ils ont tellement dominé leur sujet euh, que euh, dans notre pauvreté, on n'a pas pu faire grand-chose. Et, euh, et honnêtement, je tiens à féliciter l'équipe de Marseille parce que tous, les, tous leurs joueurs savent ce qu'ils doivent faire, ils le font très bien, ils sont très sérieux, ils sont très appliqués et on s'est juste fait euh, dominer comme on s'est fait dominer beaucoup de fois depuis quelques années. C'est juste un match de plus à rajouter sur cette longue liste. Alors, juste pour la petite anecdote, je vous livre quelques, quelques éléments de coulisses. Juste avant que le SNC commence, là, on discutait entre nous. Et on se disait, est-ce que pour les tops et les flops, dans les tops, on peut prendre des joueurs de Marseille Parce que sinon, ça va être compliqué d'en trouver. Et euh, de ton côté, Max, qu'est-ce que tu en as ah, pensé un petit peu de ce match dans l'ensemble C'est très, très compliqué. Euh, on ne s'attendait pas à mieux, de toute façon, quand on voit les, les trois dernières prestations des Verts. Euh, moi ce qui m'inquiète le plus, on attend d'y revenir, c'est que ah, oui. bon, l'animation offensive, pas de miracle, hein, on s'y attendait, de toute façon on a des défenseurs qui sont plus efficaces que, que nos attaquants. Mais c'est le milieu de terrain aussi qui va falloir parler, parce que ce milieu de terrain euh, sur lequel on n'était pas inquiet avant le début de saison, moi m'inquiète match après match. Euh, depuis le match contre l'Orient, euh, il me semble très 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 compliqué ce milieu de terrain et, et ça joue un énorme rôle je pense dans les performances de nos verts. Eh bien justement tiens tu, tu parles du milieu de terrain. Euh, donc le milieu de terrain, si je vous affiche la compo comme vous pouvez l'avoir ici, donc on avait euh, en, 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 en compo de départ euh, Gourna Kamara Neyu. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui selon toi a pêché dans, dans ce milieu de terrain Est-ce que c'est euh, l'animation globale Est-ce que c'est les individualités Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce milieu de terrain se fasse autant bouffer Bah c'est-à-dire que quand tu le vois sur le papier, ce milieu de terrain, tu te dis que c'est sans doute le meilleur euh, bah, des trois qu'on peut aligner. Euh, mais le problème c'est que quand on regarde dans le jeu, bon, derrière il n'y avait aucun repli défensif. Euh, sur le deuxième but marseillais, on a Camara qui revient mais en trottinant par exemple. Euh, au milieu de terrain, ça se marche dessus, ça n'a aucun repère sur le terrain de où est-ce que je dois me placer, comment faire pour me démarquer, et devant ça n'apporte rien non plus. Donc on avait un milieu de terrain, on avait trois joueurs qui ont été inexistantes la première mi-temps. Après moi j'ai trouvé que lorsque Puel a, a commencé à, à revenir avec deux, deux milieux centraux, on a un Eyou qui a vraiment rené et qui a été beaucoup plus intéressant, je trouve, sur la deuxième mi-temps. Mais sinon ce milieu de terrain à trois est très très compliqué. Et moi je pensais pas que Gourna passerait... Enfin euh, pour Styli par exemple, mais Gourna et Camara sont passés complètement au travers euh, hier enfin, le, lors du match contre Marseille, j'ai trouvé. Non on évoque le problème Camara, effectivement. Euh, Benjamin, en, toi, t'en penses quoi de, de son match et, et de son début ah, de saison de manière générale Parce que ça avait été quand même je... une grosse satisfaction l'an passé. Et, euh, ah. et là, cette année, c'est plus compliqué. Hein. Ça, ça prend du temps à se mettre en route. Hein. Ouais, enfin, je serais presque content qu'à qu la SS, il n'y ait que des problèmes Camara, parce que je pense que sur les derniers mois, euh, moi, très, très honnêtement et personnellement, je pense que s'il n'y a pas un joueur... Sur, sur qui j'aurais mis une pièce il y a quelques temps, c'est bien lui. Moi, je trouve qu'il reste quand même sur une saison plus qu'aboutie. N'oublions pas tout de même qu'il euh, est capitaine, qu'au niveau salaire, c'est vraiment pas ça, que la fin de mercato peut être un peu complexe pour lui parce qu'on sait qu'il y a éventuellement des offres de deux clubs anglais, que ça trottine un peu dans sa tête. Euh, moi, j'aimerais. Enfin, si, si à saint on a des problèmes comme Camara, moi je signe tout de suite. Quand je vois le match de, quand je vois le match de samedi et quand je vois tant d'autres matchs, le problème pour moi, il n'est pas Camara. Il est qu'on met trois joueurs qui jouent quasiment dans le même registre mmh. que son Neyou, que son Gourna et que son Camara. Alors on veut bien me dire que Ivan Neyou a un pied extraordinaire et qu'il a une vision du jeu sublime. C'est quand même pas le cas. Il se marche sur les pieds. Dernière petite chose, on nous avait alerté sur le danger du Vélodrome et sur le fait que ça allait être une ambiance extraordinaire et qu'on espérait que les joueurs allaient pas souffrir de ça. Et sa sainteté Claude Puel, nous Megourna qui a quand même très peu d'expérience et la ligne en milieu de terrain, on a vu le, a vu le résultat. Moi, le vrai problème, c'est que ça continuera, à mon sens, à se marcher sur le pied tant qu'il y aura pas aussi des créateurs au milieu de terrain. Il y a aucun créateur dans ce milieu de terrain. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte bah alors il y en a un sur le papier, hein, c'est Aouchiche, mais sauf qu'il a été aligné ouais, ouais. euh, attaquant gauche, quoi. Papier. Ouais. Non, même, même, enfin pour moi, il joue quasiment neuf, hein, euh, vrai. en première mi-temps. Ben, bon, il est plein d'axes, hein. pas, pas faux, pas faux du tout. D'ailleurs, euh, moi je me souviens d'une discussion qu'on avait avec Kevin en avant-match, euh, où quand on a en... quand on a vu la compo tomber euh, et que du coup il y avait pas, euh, ils n'étaient pas répartis sur un terrain, en termes d'animation, on pensait vraiment. Que euh, ce serait un 4-4-2 en losange et au final on s'est retrouvé avec un, un 4-3-3 un peu euh, un peu bizarre avec énormément de permutations euh, sur euh, sur sur le front de l'attaque mais en même temps des permutations un petit peu stériles quoi ouais, ouais bah, c'est le problème qu'on a à Saint Etienne c'est que euh, on sait que Puel il aime bien jouer avec cette attaque où il y a trois quatre joueurs qui permutent tout le temps et qui n'ont pas de poste fixe euh, il y, y a des matchs où ça fonctionne très très bien. Euh, des matchs euh, contre des défenses qui sont désorganisées, en général, ça fonctionne très bien. Sauf que là, déjà, ça commence à se savoir en face que, que, que les attaquants stéphanois font ça. Et en plus, quand on se retrouve dans un match où, où les attaquants sont très peu inspirés, euh, bah, ça fonctionne pas. Et si en plus derrière, les milieux de terrain viennent pas apporter du soutien, on se retrouve avec trois joueurs qui courent dans le vide et qui savent pas vraiment quoi faire. Oui. Et alors, justement, là, là on parle du, du, du milieu de terrain. Euh, moi, plutôt que de faire des tops et des flops globales, je vous propose qu'on fasse un flop par ligne. Euh, S'il si y en avait un à, à isoler donc, dans, le, dans le milieu de terrain, donc euh, Benjamin, toi tu dirais que ce serait plutôt Neyou t es, t es, dont tu es passé au non, tout non, euh, du match bah même, si, non, non, même si la remarque euh, concernant Hauchich est assez justifiée, parce qu'effectivement, il joue devant, mais enfin, à la base, c'est quand même pas un attaquant, c'est bah plutôt non. un milieu de terrain. Et euh, Aouchiche, euh, oui, je le mets en, le mets en flop euh, retentissant parce que euh, les, les autres, même s'ils n'ont pas fait un grand match, ont au moins eu le mérite de cavaler, de courir, de défendre. Aouchiche n'a strictement rien fait. Ouais. C'est vrai, vrai qu'il a, a été fantomatique. Euh, D'ailleurs, dans le chat, euh, on, on, on va faire ce. ce... Euh, un flop par ligne. Donc en, en milieu de terrain, euh, dites-nous euh, dans le chat un petit peu ce que vous en pensez. Qui est-ce que vous sortiriez comme, euh, comme flop euh, Toi, Eric, entre Gourna, Camara, Neyou et on va mettre Aouchiche parce qu'effectivement, il est plutôt milieu de terrain de, en, en, en temps normal, même si là, il a joué assez, euh, assez haut. Euh, moi, moi j'aurais mis Camara. Parce que, camarade, voilà, maintenant c'est le capitaine. On en attend un peu plus que la saison dernière où il était encore en apprentissage. Euh, Neyou, Neyou, il revient depuis peu de temps. Il a été placé 8 et moi je, je reste intimement persuadé que c'est pas un 8. Il doit jouer devant la défense. Ouais. Donc euh, je lui pardonne son mauvais match. Et Gourna était en méforme parce qu'il n'a quasiment pas joué depuis, euh, depuis qu'il a attrapé le Covid en préparation. Donc ça va faire un mois. Il s'est retrouvé, euh, retrouvé titulaire comme ça à Marseille. C'est compliqué pour lui, donc je pense que le joueur dont on devait en attendre plus, c'était Camara. Ok. Euh, qu'est-ce que ça donne dans le chat, Kevin, au niveau de, du, du flop du milieu de terrain Gourna. Gourna euh, semble être le, le plus à même d'être critiqué euh, selon le chat. Euh, pour les autres lignes, si tu veux enchaîner, euh, si tu passes par l'arrière, euh, c'est So qui a l'air de gagner la palme. Euh... Tu veux qu'on passe par l'arrière, Kevin tu nous dis. Hein. Eh bien, écoute, euh, ben, c'est euh, ce que le chat a l'air de vouloir faire. Donc euh, c'est Sot qui, euh, qui aura la tête dedans, qui avait la tête dedans apparemment euh, samedi dernier. Alors ben, tiens, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez, euh, vous euh, Max, toi, t'en penses quoi si on si on doit sortir un flop de cette euh, de cette ligne arrière entre Masson, Sot, Mukudi et Kolo Jedzak Bah moi, j'aurais du mal à mettre un flop parmi ces quatre-là parce que bon bah quand t'es défenseur euh, et que ton milieu de terrain ne te soutient jamais. Euh... Et que tu es face à bon. des unders et compagnie, c'est tellement compliqué à jouer que j'aurais du mal à... Pour moi, le flop vient pas de derrière, hein, vraiment. Hein, ouais. C'est vraiment parce que le milieu de terrain n'est pas au rendez-vous. Et même Camarage... Euh... C'est peut-être sévère, mais Camara, on sait que techniquement, c'est pas le joueur qui va te faire. face enfin, c'est pas lui qui va te faire des ce c'est pas lui qui va te faire la, la, la passe qui casse la ligne. Mais avant, il compensait tout ça par une générosité dans le jeu. Il était partout, il pressait, etc. Là, depuis, mais depuis Lorient, on, on regarde les, 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 les buts qu'on se prend, etc. Souvent, on a un Camara qui revient à la traîne. Le but qu'on prend contre l'île il attaque même pas son ballon. Donc, c'est à dire que c'est la générosité dans le jeu qui avant compensait son manque technique. Il ne l'a plus. Donc, en plus, il y a le brassard. Et j'ose espérer que le brassard ne va pas faire effet de totem d'immunité pour lui. Parce que. Et Gourna et j'aurais du mal à tomber sur eux. Parce que c'est des jeunes. Gourna, euh, il revient. Euh, il faut, faut le temps qu'il se remette en jambes, Pour moi, l'avoir mis directement dans le 11 devant la défense comme ça, c'est limite du suicide à Marseille. Euh, et Aouchiche, bah moi, je jugerai Aouchich le jour où on verra. Euh, 80, ne serait-ce que 60 minutes d'Aouchich à son poste, déjà. Ouais. Pardon pour la, la petite alerte. Euh, je, suis, je suis branché directement sur, sur But Saint-Etienne pour avoir les, les infos Mercato en, en temps et en heure. Euh, T'en penses quoi, toi, Benjamin, ouais. justement, sur la ligne de défense euh, Qui est-ce qui t'a le non, plus non, déçu pour le... Non, non, je, je reviens. Je... Alors, sur la ligne de défense, je suis assez d'accord avec Squeezie. Je pense qu'il n'y a pas il y a pas un des quatre qui est à incriminer. on se rend compte quand on voit le match je veux dire, le premier but, ça vient d'un appel d'under dans que le dos de Kolo Alors, on va dire que le Jezac est fautif. On s'est tous rendu compte que le problème en première période, c'était Payet parce qu'aucun milieu de terrain n'arrivait à se mettre sur lui. Colo, moi, je, je ne le trouve vraiment pas responsable. Il a au moins le mérite d'égaliser. Je trouve même qu'il fait plutôt un bon début de saison par rapport à ce qu'on a vu la saison dernière. Ouais. Moi, je rebondis juste sur Aouchich. Je suis toujours étonné, moi, j'ai rien contre Aouchich. Je rappelle juste quand même qu'on a mis 4 millions d'euros comme prime à la signature sur ce joueur. Ça fait à peu près maintenant, elle est 13-14 mois qu'on en attend moins un veille. Et que très honnêtement, depuis 14 mois, on n'a strictement rien vu d'Adil Aouchiche. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'il il jouera à son vrai poste, mais il faut pas rêver. Hein. Tant que Claude Puel sera là, vous le verrez jamais en numéro 10 avec la faculté de ne pas revenir, de pas presser et de faire absolument ce qu'il veut. Moi, je suis plutôt inquiet là-dessus parce que, encore une fois, Aouchiche, c'est le grand pari du dernier mercato, mais pas du dernier cet été, hein. du dernier mercato il y a plus d'un On a quasiment tout investi sur lui. Je pense que le résultat est concernant. On, on, on est assez d'accord ouais, pour l'instant. Euh, et on va passer, bah, écoutez, euh, on va laisser notre petit euh, Etienne Green tranquille pour l'instant dans ses cages. Et on va, on va se poser la question sur, euh, sur, sur la ligne d'attaque. Sur qui vous a le plus déçu entre Bouanga euh, et Kazri, du coup, vu qu'on a évoqué le, le, le thème à Ushish, euh, juste avant. Eric, t'en penses quoi entre Bouanga et Kazri euh, Lequel a été euh, le plus invisible, on va dire alors, je vais un peu contourner les règles. Moi, je, je, ce Magique. qui m'a déçu, c'est la tactique beaucoup trop défensive. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, Masson, sur son côté, Moncolo, il a, il a, il a pour rôle de défendre avant tout, et ça, je l'entends. Mais Masson, sur son côté, il a essayé de monter beaucoup de fois. Et euh, que ce soit euh, que ce soit Amouma, que ce soit Nordin, que ce soit Bonga, qui ont été sur son côté, euh, à chaque fois qu'il prenait le couloir, euh, les liés... Permutait avec lui, plutôt que d'attaquer avec lui, l'ailier se mettait en position de latéral droit. Ouais. Et on retrouvait Masson qui était seul avec. Euh, S'il a un peu de chance, il y avait Kazri qui était dans le coin qui rôdait. Sinon, il se retrouvait totalement seul. Il s'y retrouvait euh, vrai, un nombre incalculable attaquer. de fois tout seul, c'était hallucinant. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que ça, honnêtement, c'est une consigne. Euh, parce que parce que connaissant connaissant Bwanga et son attirance par le but. Euh, je le vois assez mal se replacer lui-même en position latérale droite donc euh, là je, je pointe Club Puel dans le sens où euh, euh, autant quand ça fait 0-0 je, je, je peux comprendre qu'il a un peu peur bon, même si c'est pas, pas dans ma vision des choses par contre quand ça fait 3-1 et que tout le monde est derrière et que qu'on attend que la, la fin du match arrive, ça c'est quelque chose ouais. que j'ai un peu de mal à tolérer et si je puis si je, si je me permettre, vas -y, vas -y. Et, quand on est, et quand on est mené 3-1, de faire sortir Kazri et Bonga pour deux jeunes, et d'ailleurs, on n'a plus jamais porté le danger euh, sur le but de l'Olympique de Marseille. Les changements, si je ne me trompe pas, qui sont intervenus à peu près à 20 minutes du terme, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Merci beaucoup, Oulilio, euh, pour, pour l'abonnement. Mais c'est vrai que j'aurais été curieux de connaître la moyenne d'âge exacte de l'équipe après les sorties de Buanga et, et Kazri. Mais euh, heureusement qu'il y a Colo, parce que sinon, c'est une colonie de vacances euh, en termes de moyenne d'âge. Après, le, le, la sortie de Buanga et Kazri, ça va dans, dans la continuité de la mentalité trop défensive, comme ce qu'on disait. Euh, je pense qu'en fait, Peel, il a carrément abandonné le match. À la 70e, quand il a vu qu'il y avait vraiment très peu d'espoir, il a abandonné le match, il a reposé Kazri, parce que Kazri, on sait que il a du mal à enchaîner les matchs dans une saison. Il a reposé Kazri, il a reposé euh, Banga, et puis euh, il a laissé les joueurs euh, à leur sort, je pense. Ouais. Et d'ailleurs il, il en parlait hein, dans la conférence de presse d'après match. Il disait que, euh, que, que, que justement les, les, les jeunes avaient eu un petit peu euh, de, euh, de, de, de pression vis-à-vis -vis du public et du, du vélodrome plein et que ça avait probablement euh, joué sur, sur le match. Mais je pense qu'on est assez d'accord pour dire que euh, un des gros fautifs de la défaite quand même de, de samedi soir, c'est Claude Puel. Oui, et puis bon, enfin moi je veux bien euh, le stade plein, tout ça, mais... Euh... Moi, je pense que ça te met la pression, mais normalement, quand tu es un compétiteur à ce niveau-là, euh, ça, ça te galvanise plus qu'autre chose. Euh, quand tu parles avec un, un athlète professionnel, tu as limite autant de kiff, voire même des fois plus, de te faire ruer parce que tu milies, euh, parce que tu gagnes à, à l'extérieur ou que, ou que tu fais, tu vas chercher des points extérieurs. Euh, donc, moi, je veux bien, mais bon, si c'est le public du vélodrome euh, qui est responsable de la déroute, bah, écoute, on va prier fort pour que le Covid revienne et puis on va rejouer dans des, dans des stades vides. Et oui. puis voilà. Bon. Bon, ouais, bon, euh, euh, on, on va essayer de ne pas euh, trop déprimer parce qu'il y a quand même beaucoup de motifs de, de déprime ce soir. On va essayer de tirer des flops, hein, des de, voilà, lapsus. On va essayer de tirer des tops un petit peu de ce match. Qui est-ce que vous avez trouvé un peu plus en vue euh, samedi soir euh, Si je peux me permettre de commencer, on a évoqué vite fait le, le, le cas à Maçon. Euh, J'ai trouvé que parmi, euh, parmi les joueurs présents sur le terrain au, au coup d'envoi... C'est celui qui s'en est probablement le, le mieux sorti, même s'il s'est retrouvé, comme on le disait, euh, très souvent isolé. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, en termes de top Et dites-nous le chat aussi. Benjamin, je te laisse, je te laisse commencer. Non, 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 assez d'accord sur Maçon. Je trouve que la générosité est là. Euh, je trouve quand même, mais bon, ça c'est normal, il revient. Il y a quand même un peu de déchets techniques, mais j'aimerais qu'effectivement, qu à gauche, comme... À... À droite on puisse enfin avoir des ailiers qui prennent la profondeur souvent notamment pour créer des décalages effectivement euh, non non je l'ai trouvé euh, plutôt pas mal euh, même étienne green même si je trouve que même si je trouve que le, le troisième but euh, le but de Hunder est quand même bien 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 évitable ouais. mais sinon pour le reste euh, non sinon pour le reste euh, pas personne 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 ouais. bah, comme le dit nico saint paul dans le chat de manière assez juste il n'y a pas de top que des flops et des moins flops c'est un peu ça Eric, toi, est-ce que tu arrives à, à, à sortir un élément un peu plus positif que le reste Ouais, bah, c'est ce que vous dites depuis 5 minutes. Il n'y a, y, y a pas de flop. Il y a, y a Mason qui a été très correct, je trouve. Mm. Euh, après, il voilà, y, y a aussi euh, le fait qu'il revienne de blessure. Dans, dans quelques semaines, ce sera mieux. Ce sera pas éternel. Hein. À un moment, on, on, pourra, on pourra se permettre d'être plus exigeant. Mais euh, non, il, il, a, il, a, il a même pas 15 matchs, 15 matchs de Ligue 1, et je trouve que c'est le seul, euh, le seul joueur depuis le début de saison qui, est, qui a tous les matchs à, à essayer de, de créer quelque chose, d'apporter une touche technique. Euh, J'aime bien son profil. Euh, là, il a pas, il a pas vraiment pu montrer ses qualités parce que, bah, parce qu'il y avait des flops autour de lui. Donc, j'irai pas jusque dire que c'était un top. C'était, c'était correct. Il a fait un match ouais. correct. Ce qui est déjà pas si mal. Et toi, Max, t'arrives à en sortir hein Bah, de vrai top, euh, j'aurais du mal. Bon, euh, bah, je vais être d'accord avec les autres. Un hein. maçon euh, que j'ai trouvé correct, euh, avec quelques déchets techniques, mais je trouve qu'il revient bien et ça fait, il, il fait du bien parce que bon. De toute façon, à son poste, on va juste prier pour qu'il ne se blesse pas ou qu'il ne soit pas suspendu parce qu'on n'aura pas mieux que lui et son... quand on connaît son remplaçant, on est un peu inquiet. Colo euh... que j'ai pas trouvé si dégueulasse euh, vraiment. Moi, je le trouve euh, même assez bon. Bon, là, on a senti que ça allait très très vite hein, dans son dos quand même dans ce match. Mais bon, euh, si jamais euh, on avait plus de solidarité dans l'équipe, il s'en serait mieux sorti, je pense. Euh, mais je pense que Colo, depuis le début de saison, euh, me surprend match après match. Et sinon, euh, bah, un Green euh, toujours aussi correct. Euh, voilà, c'est ce match très dur, mais je pense qu'avec euh, avec un autre gardien que Green, c'est même pas dit qu'on s'en prenne que trois entre guillemets. Donc ouais. euh, voilà. J'ai bon, les trois. Dans, dans toute cette déprime, euh, moi j'aimerais vous poser une question vis-à-vis -vis de l'animation offensive. Euh, si on on prend pour exemple un petit peu le match de samedi soir. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans cette animation offensive euh, qu Est-ce qu euh, est -ce que c'est -ce est des individualités qu'il faut changer Est-ce que c'est une organisation collective qu'il faudrait changer Comment c'est possible qu'on marque aussi peu de buts euh, sur, euh, dans le jeu Parce que là, si on, si on regarde nos deux derniers buts, c'est sur du euh, coup de pied arrêté. Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, devrait évoluer euh, Est-ce que c'est une recrue qu'il faut Est-ce que c'est un schéma différent Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait changer, selon vous euh, Benjamin, par exemple. <laughs> Beaucoup de choses. Non, mais <laughs> moi, contrairement à toi, je suis presque étonné qu'on ait mis autant de buts. Tu vois, donc je vais plutôt, euh, plutôt partir de là. Euh, de toute façon, euh, aujourd'hui, quand tu regardes l'effectif, euh, qui, qui est devant hein, je, parle de, je parle, en attaquant. Qui a véritablement un profil de neuf Personne. Charles Habib. Enfin, c'est comme si je disais personne. Euh, Wabi Kazri n'est pas un attaquant, n'est pas un numéro neuf. Romain Amouma et Denis Bonga, tu peux les mettre sur les côtés. Alors tu peux effectivement nous faire croire que Romain Amouma est un avancante, mais il ne l'est pas. Ensuite, en animation offensive, il y a qui au milieu de terrain On a deux ailiers à qui on demande un travail défensif colossal. Alors j'entends je, je, souvent qu'on reproche à Bonga un manque de lucidité, mais le manque de lucidité ne vient pas de nulle part. Bonga, il fait tellement de kilomètres que parfois effectivement, il manque de lucidité. Mais le milieu de terrain, sinon, on n'a que des récupérateurs. On en parle tout à l'heure. On a Niyu, on a Gourna. On peut avoir Camara, on peut en avoir d'autres. Qui aujourd'hui, au milieu de terrain, est susceptible de casser les lignes, de créer des décalages ou de faire des gestes qui permettent, allez, je ne sais pas, on va rêver un peu, on va se faire un peu plaisir de se souvenir de Lubot ou de certains joueurs qui nous ont tant en fait rêver ballon au pied. Qui aujourd'hui, dans l'effectif, est capable de donner un ballon ou de faire ça Personne. Donc pour résumer, pas de numéro 9, pas de créateur. Paraît compliqué de mettre des buts dans ces conditions. Oui. Donc, t toi, c'est pour l'animation offensive, ça part du milieu de terrain. quoi. C les, les, les trois milieux de terrain plutôt, plutôt défensifs, c'est de là que tu commencerais. Les eh, non, mais de toute façon, à un moment, on. on je... Prenons l'exemple de la finale de la Coupe de France quand EU nous, nous fait un festival et surtout on est surpris parce que personne ne le connaît. Mais c'est quelqu'un qui ce jour-là réalise un très très bon match offensif. Aujourd'hui à Saint-Étienne qui garde qui potentiellement a la technique pour le faire. On le sait tous, il s'appelle Riyad Joubouz. Le c'est qu'il n'a pas mis un pied devant l'autre depuis des mois. Mais et sinon il y a strictement personne. Moi je trouve plutôt pas mal qu'on ait mis 5 buts hein. très très honnêtement. De ton côté, Eric, toi, tu, tu changerais quoi Est-ce que, est que tu vois un espoir dans, euh, dans le phénomène Jean-Philippe Crasso ou pas <laughs> Je sais pas pourquoi tu m'attaques avec ça, mais. Euh... Oh, non, bah, non bah, mais oh, Crasso, je pas, il va. Bah, je, te, je te mets devant le <laughs> il fait. Non, mais tu me lances une patate chaude. Crasso, il fait des entrées intéressantes. Après, euh, c'est comme. C'est comme Nordin, c'est comme beaucoup de joueurs encore dans l'effectif, c'est des, des super subs, des gens qui enfin des joueurs qui vont rentrer. Sauf que Crasso par exemple, il, il peut avoir l'espoir d'apporter quelque chose s'il a encore un Kazri à 100% autour de lui, un bon gars à 100% ou un Amoma à 100%. Non, moi, je, je vais apporter une, une petite nuance à ce que dit Benjamin. Euh, on, on, on a quand même... Enfin, euh, Gourna et, et Neyou sont des joueurs plutôt techniques. Kamara, c'est un joueur qui, a, qui, en temps normal... Euh, court partout, il a une présence qui est assez impressionnante sur le terrain et l'année dernière il était très très présent dans les 30 mètres adverses, il n'hésitait pas à monter ce qu'il ne fait plus cette année euh, moi je, je, vais, je vais apporter une nuance en disant que euh, il faut qu'on ait des ailiers un peu plus intelligents parce que le jeu avec Puel il passe sur le côté euh, ça c'est quelque chose qui est inéductable, on, on va jamais construire euh, en plein axe quand on va arriver dans la zone de terrain adverse, ce sera tout le temps un système en U où on va passer par les ailiers, les centraux pour aller sur l'autre aile. Euh, il faut qu'on ait des ailiers un peu plus intelligents. Mmh. Euh, J'ai rien contre Banga, hein, mais à chaque fois qu'il a la balle sur un côté, il se sent obligé de faire un 2 contre 1 contre les adversaires. Euh, ça fonctionne une à deux fois sur 10 mais... Euh... Encore une fois, là contre Marseille, il y a deux fois où il tire, euh, il tire dans un angle fermé. C'est pas possible, c'est pas possible. On sait très bien qu'un but angle fermé, il a peu de chances de passer. Euh... Sauf contre Lens, où <laughs> là pour le coup, il avait bien joué. Mais euh, si on avait des, si on avait des, ouais, voilà, des... des milieux qui montaient un peu plus. Euh... Surtout, Camara, Encore une fois, je le précise. Euh, si on avait des éliens un peu plus intelligents qui ne redescendaient pas en latéraux quand, quand leurs latéraux montent, il euh, y aurait moyen d'être un peu plus efficace. Et puis, quelque chose que je pointe aussi, et je termine parce que j'ai l'impression de parler beaucoup, euh, okay, okay. quelque chose que je pointe énormément, c'est qu'il n'y a, y a, y a pas assez de mouvement sans ballon. Il n'y a pas de course tranchante. Il y a, y, a y, y a des joueurs qui trottinent quand, quand par exemple, Caserie a le ballon et que. Et qui bouge beaucoup, euh, il est capable de créer par la passe ou par le dribble. Sauf qu'à côté de lui, il a des plots. Il a des joueurs qui n'essayent pas de faire un appel incisif. Et, euh, et à partir de là, c'est compliqué. On est d'accord. Mais c'est vrai que Camara, l'an passé, se projetait beaucoup plus. Moi, j'ai l'impression que Camara, depuis, depuis le début de la saison, il, il a comme un, un coup de mou. Euh, il, il, a, il, a, il a presque. Enfin, euh, moi, je me dis qu'il a. Peut-être trop joué l'an passé. Et, euh, et c'est vrai que l'an passé, même si c'était un peu <laughs> vulgaire techniquement, on va dire, euh, il arrivait à se projeter, à, à donner de l'impact un petit peu vers l'avant. Cette année, pas du tout, pas du tout, quoi, pour l'instant. Ouais, puis s'il n'y avait que lui qui ne se projetait pas, ça irait encore. Parce que le problème, c'est le nombre de fois où est-ce qu'on voit des, des joueurs qui tentent leur espèce de traversée du terrain et que tu te retrouves. Moi, j'ai surtout l'image... Euh, il me semble que c'était à Lille, qu'on on a Bonga qui traverse euh, quasiment tout le terrain. Et il euh, faut pas que je regarde le live pendant que tu fais des conneries. Euh, mais non, mais, mais c'est un peu la déprime ce soir. Excusez-moi, mais... <laughs> c'est terrible, qui traverse, qui traverse quasiment... Euh... Tout le terrain, et au final, tu te retrouves à centrer et tu personne au centre. Enfin, moi, je veux bien aussi des ailiers Moi, je suis d'accord avec euh, tout ce qu'a dit Eric. Hein, si on pense la même chose sur ça. Mais le problème, c'est que tu as, as beau avoir des débordements. Euh, quand tu personne dans la surface, euh, bon déjà que la qualité de centre de nos joueurs est pas exceptionnelle. Si en plus, tu as un mec à tout casser, ça va être très compliqué à, à aller le chercher. Quoi. Mais, euh, ouais, mais ouais, je pense que c'est un, un manque de collectif criant. Et là, il n'y a aucune excuse pour moi parce que Bwanga, Amuma, Kazri, ça va faire quoi leur troisième saison ensemble donc il n'y a aucune excuse en mode euh, ils découvrent ouais. encore ou quoi que ce soit, c'est vraiment, là c'est la fin, je pense que c'est aussi les joueurs qui veulent, alors je sais pas, ils veulent peut-être montrer que, euh, regardez, vous avez vu, ah. hein, on, on parle de nous en mal, notamment à Banga peut-être qu'il il veut se rattraper en essayant de faire des, des 1 contre 2, en essayant de mettre des frappes en trait de surface, mais le problème c'est que bah, ça marche pas, donc ouais. essayez juste de faire les bases du football, c'est-à-dire euh, le collectif. Bon, ben Max, on va rester avec toi là. Ça fait une demi-heure qu'on est sur le match. Euh, je te propose. Enfin, je sais pas. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce match ou est-ce qu'on peut commencer à se projeter un petit peu euh, sur, la, sur la suite Moi, j'ai une info. Euh, je sais pas. On n'en a pas parlé. C'est une info exclusive sur Té Inside. Ah euh, Nordin aurait joué 45 minutes samedi. Ah putain, merde ouais, On n'est pas sûr de nous, mais il paraît, ouais. <laughs> Alors, euh, à prendre avec des pincettes. Euh, et apparemment, le, le top euh, stéphanois serait donc euh, William Saliba pour y être passé. Ok. Voilà. Mais attends, il euh, faudrait qu'on se fasse une alerte Breaking News parce que. Euh, ouais, même sur le, le diaporama. Euh, putain, là, oui, effectivement, il y a une photo avec Arnaud Nordin. Oui, oui, euh, oui, oui, le oui. On, le, on le voit. Il n'a pas on de chasuble. Donc, c'est peut-être euh, peut quelque chose. On tient peut-être quelque chose. Hein. Ah merde. Bon, bah <laughs> écoutez. Euh... Écoutez, peut-être qu'avec Arnaud Nordin, euh, si, si on arrive à le voir le, le prochain match, peut-être qu'il y a moyen de. Regardez <laughs> le chat qui dit encore une info bidon. Cette photo le met tellement en valeur en plus. <laughs> euh... Bon, et eh ben écoutez, je vous propose qu'on passe à, à la deuxième partie de cette émission après le débrief du match. On va passer au coup de grisou, les amis, euh, qui nous est proposé par Max cette semaine. Donc, euh, petit générique et on y va. Alors Max, Max de Saint-Ensign, dis-nous tout ton coup de grisou. Euh, il est intitulé Silence on coule. Eh bien écoutez, euh, écoute, on, on, on est tout-oui. Alors ouais, donc silence on coule, parce qu'en fait, à la base, je voulais parler euh, un peu du club, etc. Mais là surtout, euh, j'ai envie de parler un peu à nos chers amis, euh, les préfets, euh, qui je pense devraient peut-être se renseigner un peu sur ce que c'est que des ultras. Euh, qu'est-ce que c'est qu'un hooligan, qu'est-ce que c'est qu'un supporter notamment? Euh, parce que j'ai l'impression qu'après quasiment un an et demi sans stade, avec euh, donc, euh, le grand message à vouloir faire revenir tout le monde dans les stades, à vouloir faire du beau spectacle. Euh, moi j'adore entendre certains journalistes ont jeté le nom cracher sur euh, les ultras et euh, lorsqu'un derby qui approche mettre en avant euh, sur 80% du générique des gros craquages de fumigènes et des banderoles de, de, de ces mêmes supporters sur lesquels on adore cracher. Euh, et puis bon, à quoi, à quoi bon s'embêter à essayer de communiquer avec ces mecs parce qu'apparemment ce sont que des débiles qui n'y connaissent rien, systématiquement alcoolisés pour, euh, pour paraffer nos, nos amis euh, du Finistère. Euh, et alors, donc après un an et demi sans ça, on s'est dit, allez. Après les travaux euh, du député en marche euh, qui commence à essayer de tendre la main vers les ultras pour avoir des, des stades avec une belle ambiance comme euh, on s'est en train de se faire en Allemagne à, à essayer de d'organiser un peu mieux tout ça, donc on s'est dit ah ça y est on va dans le bon sens. Eh ben non, c'était sans compter nos amis les préfets. Alors on a commencé très fort hein, avec le fameux préfet du Finistère qui a interdit la vente d'alcool à partir de 17h dans les rues parce que vous vous rendez pas compte, un hein, supporter de foot les amis ça boit systématiquement donc c'est très dangereux dans nos rues, c'est du trouble à l'ordre public systématique. Ensuite, bon, on a eu aussi celui de Reims, mais là on a eu notre, le préfet du Bouche-du-Rhône qui s'est amusé à faire son petit arrêté pour interdire nos supporters stéphanois qui auraient enfin pu retourner au vélodrome. Euh, mais là, on allait encore plus loin que ça, c'est-à-dire que maintenant le préfet, ça ne suffit pas. On appelle Gérald Darmanin qui fait un arrêté ministériel pour interdire les supporters, mais pas que de la Loire, parce que la Loire, c'est pas assez. Donc, on interdit la Loire, l'Isère, la Drôme, le Rhône, l'Ardèche, la Haute-Loire, le Puy-Dôme, de l'Allier, la Saône-et-Loire se rendre bien sûr dans la commune de Marseille parce que vous vous rendez pas compte le danger que c'est. Et moi j'aime bien, c'est qu'on a un pays comme la France qui veut accueillir les Jeux Olympiques euh, et qui dit oh, on peut accueillir des milliers de personnes en même temps dans nos rues, il y a pas de problème, on sait faire. On se rappelle tous, je pense, du fiasco qu'a été l'Euro 2016 au niveau de la sécurité. Euh, on avait un multiplex de bastons, ça allait à Marseille, ça allait à Lyon, ça allait tout ça. Et on n'arrive même pas à gérer, ne serait-ce que 300 ou 500 supporters, alors que les mecs. Enfin, juste. À la rigueur, tu, limites, tu les limites dans un bus. Mais voilà, c'est juste qu'à un moment donné, moi, je veux bien qu'on me fasse des grandes leçons de morale sur les supporters, sur les ultras, sur tout ça. Mais les mecs, si on a un pays qui se dit capable d'organiser des événements comme les JO, euh, bah, juste essayez de bosser, parlez avec les ultras et rendez-nous des stades bouillants où est-ce qu'on s'en fout. Bien sûr, ça va s'insulter entre eux et tout ça. Mais juste, les mecs, c'est votre taf. Vous voulez des supporters, vous voulez du beau football, et bah, tendez enfin la main aux ultras parce qu'ils attendent que ça. Et je suis sûr. Que on peut faire du beau spectacle bien encadré, même avec des fumigènes. Il y a qu'à regarder ce qui se passe en Allemagne. Parfait, magnifique, es nickel niveau timing. Euh, alors moi je suis très content en tant que euh, venant de la Lozère de voir que je ne suis pas interdit de déplacement. Euh, merci le préfet. Euh, et euh, et d'ailleurs tiens, juste petit tour d'horizon. Quand vous allez au stade les gars, est-ce que vous y allez bourré? Et je pose la question au chat aussi, quand vous allez au stade, est-ce que vous y allez complètement euh, éméché euh, on, on va faire le tour vraiment. Euh, Kevin, toi, est-ce que tu vas au stade bourré Alors, euh, ça dépend euh, quelle équipe je vais voir et ça dépend <laughs> du résultat. Si je vais voir euh, un match de synthé en plein hiver euh, où je sais qu'on va prendre une volée, je pense qu'il faut peut-être un vin chaud ou deux pour pouvoir le supporter le spectacle. Okay. Et après, un ou deux à l'après pour euh, oublier le spectacle. Ok, de ton côté, Eric, t'en es où niveau euh, alcool et, euh, et consommation euh, dans, dans les stades Ah bah non, non, euh, j'y vais pas complètement péter et mécher comme semblent le penser les préfets. Et toi Benjamin, quand tu vas au stade, euh, tu vas euh, tu vas euh, comme un junkie ou tu vas euh, normalement euh, alors à, à Geoffroy, ça t'est arrivé qu'une fois et c'était un Saint-Etienne-Bordeaux dans les années 90, après un 7-14-21 au local des Magiques avec Babas et JC et toute la compagnie. Et il faut dire que Philippe Cuervo jouait euh, attaquant, me semble-t-il. Ça méritait donc de boire un petit peu. <laughs> ouais, et puis c'est Bordeaux, <laughs> ça va, ça se justifie. Et voilà. le chat, ça dit quoi, Kevin, en, en termes d'alcool au stade Écoute, je vais lancer un petit sondage, mais les gens ont l'air euh, plutôt sur le zéro, euh, zéro alcool. Donc euh, comme quoi, les règles, les règles fonctionnent. Euh. Ouais, et peut-être que c'est pas ouais. grâce aux règles, mais c'est aussi grâce au fait que bah, quand on va au stade pour supporter son équipe, on y va aussi parce qu'on a envie de, de, de profiter d'un bon match de football et d'une bonne ambiance. Et que c'est plus, euh, plus agréable si tu es encore avec ta pleine conscience et si t'es pas complètement torché. Mais ça, il faudrait aller une ou deux fois dans un stade dans sa vie pour s'en rendre compte. Et effectivement, les décisions ne <laughs> sont pas toujours prises par des gens qui vont au stade. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de, de ce coup de grisou de, de Max Est-ce que vous avez envie de réagir, Benjamin et Eric euh, Vas-y, Eric. Vas -y, vas -y. Vas -y. <laughs> euh, non, non. ces réactions, euh, moi, ça me parle hein, parce que je, entre guillemets, je, je viens, je viens de là. Euh, moi, j'ai commencé, j'ai commencé le chaudon dans les années 80. Je participais à la création des Fighters. Je participais à la création des Magic. fait quelques bêtises, certes. Euh, bon, alors maintenant, je, avec un âge avancé comme le mien, et eh ben, je me déplace moins. Euh, voilà. Donc, je suis toujours complètement d'accord avec ça. Après, j'ai je, je, même moins envie de passer à l'étape suivante qui est de ne plus accorder de, de temps ni de mon énergie à ces demeurés-là. Euh, ils ne savent pas ce qui se passe dans un stade. Ceux qui s'occupaient de la sécurité pendant des années à saint euh, ne le savaient pas non plus. Alors, nous, à l'époque, les vieux, on avait un mec génial qui s'appelait, qui s'appelle toujours Dino Signeri, qui s'occupait de la sécu, qui est devenu député, d'ailleurs. Et au moins, okay. il savait de quoi il parlait. Il nous emmerdait sur les fumies et tout. Bon, Darmanin, son si est arrêté est grotesque, il est ridicule. Ceux qui s'occupent des hooligans, la prévention, ils sont ridicules. Ils ne savent pas comment ça se passe. Après, malheureusement, on paye aussi. Bah, contre Marseille, tu payes ce qui s'est passé une semaine avant à Nice, malheureusement. Et donc, j'ai même plus envie de m'attarder de avec ces, avec ces débiles-là. Euh, C'est une évidence et j'espère juste qu'un jour, effectivement, ça se réglera. Moi, je termine là-dessus. Je rêve, je rêve un jour. Ça sera compliqué. Je ne pense pas que je le verrai de mon vivant. Je rêve qu'un jour, tous les ultras de France se mettent en grève et arrêtent d'aller au stade pour exiger leurs propre, leur propre, propres ambitions, leurs propres envies. Je rêve de ça parce que peut-être qu'un jour, les présidents, les, les pseudo-présidents de ligue, comme ils succèdent, Pseudo-président de FD comprendront un jour qu'un stade de foot sans, sans ultra, c'est pas crédible. Voilà. On est d'accord. Eric Ouais, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit par, par Benjamin et, et, et Max. Euh, je suis assez d'accord sur le fait que bah, on, on, on s'en rend compte assez vite, hein, même sans être dans l'univers de du foot que c'est des gens qui, qui connaissent pas qui connaissent pas les stades qui connaissent pas les ultras, qui prennent des décisions euh, c'est il y a, y a clairement un manque de communication je pense entre les ultras et les clubs, entre les ultras et les préfets il euh, y a un manque de lien, il y a un manque de compréhension entre tout le monde et, euh, et malheureusement les préfets ont pas l'air d'avoir envie de s'embêter avec ça euh, ils préfèrent restreindre les libertés de manière totalement honteuse parce que là, on est vraiment, enfin c'est ce qu'on disait du coup euh, avant le lancement du NSNT, euh, on, on est dans une restriction de liberté qui est, qui est honteuse et qui est, enfin c'est liberticide et c'est totalement illégal. Donc euh, enfin, je, trouve, je trouve pas ça normal. Euh, je trouve pas ça normal non plus que ça soit autant passé sous silence. Euh... Il faut faire quelque chose, c'est sûr. Après, est-ce que boycotter les stades est une solution Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Je trouverais ça dommage parce qu'on se priverait de notre liberté pour euh, pour pour en retrouver plus derrière. Et je suis même pas sûr que ça fonctionne. Mais euh, non, non, je, je suis assez d'accord. Tout ça, c'est honteux. Ça prend des proportions, euh, ça prend des proportions ridicules. Et il y, y a aucun salut possible sans discussion. Mais euh, loin de moi euh, l'envie de, 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 de faire l'avocat du diable, hein, mais. Euh... Mais là, si, si je me mets à la place de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous et qui écoute ce qu'on est en train de dire, euh, il pourrait ressortir, effectivement, c'est Max qui disait ça, euh, que le, le, le match Nice-Marseille qui, qui a été arrêté, euh, qui, euh, où il y a eu quand même pas mal de soucis, euh, c'est quoi la solution pour éviter ce genre de débordement, selon vous bah, Ouais, par par exemple des défilés filets euh, pour euh, ce qui s'est passé à Nice, un hein, à Saint-Etienne et puis bon euh, ça se passe très bien. Euh, mais juste pour éviter des débordements, t'as un truc qui est tout con, c'est que on, on a un cas chez nous à Saint-Etienne. Par exemple, on a les Magic fans qui sont organisés légalement. C'est-à-dire qu'en gros dès qu'il y a un problème, c'est eux qui sont responsables devant la justice. Et ça fait que du coup les Magic fans sont structurés. Donc quand il y a un craquage, quand quoi que ce soit, c'est eux qui sont responsables. C'est eux qui font leur propre sécurité. C'est eux qui gèrent tout parce qu'ils sont responsables. Combien de problèmes on a eu avec les Magic fans des dernières années On peut les compter sur les doigts de la main, je pense, mais vraiment. Euh, à côté de ça, tu as des groupes, comme le groupe notamment euh, de Nice, qui n'existe plus légalement. Donc, c'est-à-dire que quand ils font un truc, eux, ils s'en foutent. Le groupe n'est pas responsable. Donc, c'est le club qui prend ou les individualités. Bon, euh, quand les mecs ont la patience, là, ils vont l'avoir pour Nice, hein, de, de regarder des vidéos, sinon, ils s'emmerdent pas. Mais c'est ça aussi. Fais en sorte qu'il soit structuré. fais en sorte qu'ils aient. Une réponse légale devant le juge, qu'ils ont une responsabilité légale et que du coup, tu une, une, vraie, une vraie communication et un vrai dialogue qui peut, qui peut s'instaurer. C'est ce qui s'est passé en Allemagne et ça marche très bien. enfin Après, si l'avenir, si jamais on veut vraiment des stades calmes, gnangnang, mais aller en Angleterre, moi je suis désolé, mais aller voir un match en Angleterre, alors oui, ça a poussé génial, mais les tribunes, qu'est-ce que tu te fais chier, même à Liverpool, hein, c'est ouais, sympa, tu as une que au début, mais après, bien, un stade, le football, c'est un sport populaire et ça doit le rester. et, et les, Le football populaire, il est incarné aujourd'hui par supporters et par les ultras et pas par des loges vip avec des personnes qui ne mettent jamais les pieds quasiment quoi euh, avant qu'on passe à la partie suivante euh, t'as fait un petit sondage kevin j'ai vu dans le chat sur, sur l'alcool au stade il en ressort quoi et eh écoute euh, les choix étaient euh, pas de ça chez moi une petite pour la route ou euh, et pas qu'une et c'est pas de ça chez moi qui l'emporte. Donc les, les gens respectent les règles et les gens sont responsables. En tout cas, les supporters de Saint-Etienne, et ça, on n'en a jamais douté. Et n'oubliez pas que l'alcool, euh, c'est cool, ça peut être bien drôle, mais ça reste une drogue et pas la moins néfaste de toutes. Donc, euh, toujours buvez avec modération. Euh ne l'oubliez pas je vous propose qu'on passe à la dernière partie de cette émission il nous reste un gros quart d'heure ensemble et on est à un jour de la fin du, du, du Mercato donc on a pas mal de choses à dire sur cette fin de Mercato on va essayer d'évoquer un petit peu la vente aussi de, pro de profiter de, de la venue de, de Benjamin Dané avant qu'on passe à cette dernière partie je me permets de vous rappeler que vous pouvez follow la chaîne pour être tenu au courant à chaque fois qu'on lance un live en général on fait les après-match le lundi soir à 21h et bon on match. fait les avant-match aussi euh, juste avant avec euh, avec euh, wet qui, euh, qui est là avec nous et, euh, et évidemment aussi j'en profite pour vous dire allez au stade, allez supporter votre équipe. Euh, venez nous rejoindre à geoffroy guichard parce que euh, c'est toujours un grand plaisir et c'est toujours aussi un peu triste de voir ce, ce stade euh, si beau pas à 100% rempli. on passe à la dernière partie. c'est le jingle prochain match mais on va parler surtout de la fin du mercato. On va parler donc de la fin de mercato et euh, je vais me diriger vers toi euh, tout de suite Benjamin. Euh, est-ce que tu as des attentes particulières sur cette fin de mercato euh, Est-ce que tu, 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 tu crois à une arrivée ou est-ce que tu penses que ça va être le calme plat jusqu'à demain soir euh, minuit Non, euh, je ne crois absolument pas à une arrivée. Je me suis quand même dit, euh, même samedi dernier, mais enfin bon, ça fait quand même des mois que certains dirigeants auraient pu constater qu'il manque désespérément un attaquant un attaquant à synthé. on avait été chercher l'excellentissime Anthony Bodes, qui d'ailleurs depuis son départ nous en fait des belles qui marque quasiment à chaque match. Euh, non non je n'attends strictement rien de ce mercato on sait je crois que vous le savez également que bon nombre de joueurs sont proposés à sa santé mais que sa sainteté les refuse. Imagine bien dès lors que Roland Rameyer et Bernard Caillézo adorent cet entraîneur qui ne leur demande pas d'argent. Donc on se dirige tout droit vers une fin de mercato à atone, hein, puisque c'était le terme de notre cher coach, avec une attaque qui n'en est pas une. Voilà, on va encore bien se marrer dans les semaines à venir. Donc toi, tu penses que quoi oh. on, on peut désormais faire faire un trait sur tout arrivé au potentiel, même pas le fameux panic buy euh, auquel ils nous ont euh. habitués ces dernières années euh, à 23h30. Quoi. Oh. Ouais, je me méfie avec le Panic Bite, je, je, comme je me méfie de la bonne santé économique de l'ASS, avec ses grands communiqués sur l'excellente santé économique. Maintenant, on n'a plus une thune. Mais non, 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 je, je n'y crois pas trop. Et je pense que l'enveloppe, alors je sais que Bernard Lyon se parlait, lui, plutôt de 50 000 ou de 70 000 euros. Euh, c'est voilà, on, on prend personne, on prend personne à ce rythme-là. Moi, ce que ouais. je regrette, c'est plutôt certaines décisions du passé euh, et notamment d'avoir pas fait certains choix ou alors d'avoir éjecté certains attaquants qui étaient au stade, euh, qui étaient pardon au stade, qui oui, qui est au stade, c'est vrai, mais qui était à la SS et qui n'y sont plus. Donc, je n'attends pas, je n'attends malheureusement pas grand chose. Et, tu, tu penses bon, à euh, qui Tu euh, penses à, à Riyad Boudbouz en, entre autres. Ah non, 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 je pense, je suis beaucoup plus simple que ça. Je pense à Robert Berich, qui n'était certes pas une, qui, qui était pas le Roland wolfard des années 90. Quand on voit ce qu'on a aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu qu que je regrette, Robert Beric Alors, euh, Robert Berich, qui, euh, qui est en forme hein, en ce moment, euh, si vous suivez l'actualité, euh... qu euh, qui a planté ce week-end un, ouais. un bon vieux but de renard des surfaces à l'ancienne comme, euh, comme on le connaît. Euh, je vois dans le chat quelques noms qui sont évoqués. Euh, je vois que ça parle de kalimwendo euh, Juste pour vous informer, donc euh, le Paris Saint-Germain et euh, le RC Lens ont trouvé un accord euh, pour, euh, pour un prêt pour une nouvelle saison de kalimwendo à à Lens et le joueur était d'accord de base aussi. Donc ça va, ça va se faire. On peut faire une croix sur, sur cette piste là. Et euh, j'ai vu le, le, le nom également de euh, de Valère Germain euh, dans le chat. Euh... Bah, avant de vous donner euh, l'info de est-ce que c'est possible ou pas, euh, même si je pense que vous êtes à peu près tous au courant, euh, qu'est-ce que vous en auriez pensé potentiellement si on venait à faire euh, Valère-Germain euh, d'ici demain soir, euh, Eric euh, Moi, je, je vais pas... Me et pose ce couteau Valère et Germain. arrête de t'ouvrir les veines, s'il te plaît. <laughs> Je vais, je, vais pas, je, vais pas, je vais pas parler de Valère Germain, je vais, je vais parler des jeunes du centre de formation parce qu'on sait que, que Puel en est très friand. Euh, je suis pas sûr qu'il ait envie de recruter un. C'était quoi C'était 75 000 qui demandait Valère Germain Un truc comme ça. Euh, 75 000 par mois, ça fait, ça fait, une, ça fait une somme. Euh, il l'a connu à Nice, il s'en est servi avec Atem Benarfa. Arfa. Euh, je suis pas sûr qu'il en veuille encore. Mais euh, de toute façon, je pense que c'est pareil, c'est un joueur qui a sa carrière derrière lui. Mais par contre, au centre de formation, on a, on a Mathis Saban qui, qui s'est révélé, bon, qui est toujours pas un numéro 9, hein, mais euh, on, a, on a quelques jeunes qui peuvent se révéler à tous les postes au cours de la saison. Et, euh, et l'intérêt, il doit se porter vers eux, surtout que maintenant, le, le club va diffuser certains matchs en direct, comme il l'a fait, euh, fait avec la réserve euh, hier. Donc. Euh, on sait, on sait que le Mercato, depuis qu'elle est là, le Mercato est, est, pas, est pas actif du tout. Euh, il le sera de moins en moins. Je ne serais pas étonné que en hiver, euh, si, si on est entre la 12 et la 16e place, on n'ait pas de recoupé non plus. Ouais. Euh, généreux. Donc, euh, donc là, ça va être le moment, vraiment. <laughs> je vous encourage à suivre Green Prospect et à commencer à suivre les matchs de jeunes euh, qui, qui commencent à apparaître sur SSE TV. Parce la que... Lance. Les, ouais, les jeunes vont vraiment avoir une carte à jouer et il y en a quelques-uns qui sont vraiment très intéressants. Alors, juste du coup, pour terminer avec la rumeur Valère Germain, non, effectivement, il a été proposé à l'AS Saint-Etienne, mais, mais, mais Claude Puel a, a refusé son profil. D'ailleurs, euh, je, je confirme hein, ce qu'a dit Benjamin tout à l'heure, on sait de sources sûres. Euh, ça, on peut l'affirmer qu'il y a de nombreux joueurs qui ont été proposés au club directement. Euh, des joueurs euh, prometteurs, euh, des joueurs avec plusieurs types de profils différents et qui étaient euh, soit euh, gratuits en termes d'indemnité de transfert, euh, soit très très peu chers. Et qu'ils ont pour l'instant tous été euh, refusés par, euh, par la direction stéphanoise. Donc, euh, donc on s'achemine quand même petit à petit vers, vers un, un mercato euh, complètement à blanc. Euh, dans, dans le sens des arrivées. Euh, toi, Max, est-ce que euh, tu as encore un espoir Et si oui, s'il y a un espoir, euh, sur quel poste tu, 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 tu nous verrais euh, se renforcer euh, Alors, bon, moi, je suis un peu un éternel optimiste, mais là, j'avoue que ça commence à être compliqué de garder l'optimisme, euh, parce que justement, parce qu'on a ce genre de retour. Euh, on sait que voilà, on a on a parlé avant l'avant-match qu'il y avait euh, énormément de, de joueurs qui avaient été proposés et qui pouvaient répondre. Quand on voit les critères de ce que demande Puel et Buzine, euh, il y a, enfin surtout les critères du joueur qu'ils veulent ouais. et le budget qu'ils sont prêts à y mettre, euh, soit actuellement ils sont dans le monde des bisounours, euh, soit ils font exprès pour, pour dire que de voilà, toute façon il n'y aura pas de recrues. Euh, quand on voit les profils de joueurs qui ont été proposés euh, et qu'on se dit qu'on n'en a pas besoin, euh, soit on ne regarde pas les mêmes matchs, soit peut-être a, peut-être qu'on a un jeune numéro 9 qui va arriver euh, après la trêve et qui va nous planter euh, sa quinzaine de buts. Mais j'ai peut-être un espoir cependant pour une arrivée potentielle, c'est que là on arrive dans les dernières euh, 25, 24, 26 heures euh, de Mercato. En général c'est le moment où notre Roland, il, il nous ouais. en fait une petite. Ça, c'est donc... le, le moment préféré de l'année de, de C'est le moment ah oui. du panic buy à deux heures de la fin du Mercato. Donc, donc on ne sait jamais, parce que même Modeste, qui plaisait pas à Puel finalement, <laughs> il arrivait quand même. Donc, on n'est pas à l'abri qu'en plus Germain, qui devait aller pour prendre le cas Germain notamment. On ne sait jamais. Bon, il faudra un alignement des planètes. Euh, on a entendu aussi parler d'un nom que j'ai vu passer dans le chat. Et effectivement, un des deux présidents y penserait actuellement d'un numéro 9, donc on, on verra bien, mais... Non, 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 euh, plus vieux, plus vieux. Okay, parce que Koulenovic, pour le coup, a priori, ça a été refusé hein, aussi. Hein. Ah oui, a été refusé. Oui. Euh, juste une petite précision par rapport Roland, au bon vieux Roland, c'est que Roland, il, il a travaillé sur le dossier germain depuis une dizaine de jours. C'est-à-dire mm. qu'il a échangé avec le joueur, il a échangé avec l'entourage du joueur, et il était plutôt dans l'idée d'appuyer sa candidature auprès de Puel. Mm. Il a refusé catégoriquement. Est-ce que Puel va changer d'avis Ça, c'est encore autre chose. Euh, juste une petite chose, c'est que ce n'est pas Germain qui s'est mis d'accord pour 75 000. C'est Germain, il, il, a, il a accepté de diviser son salaire par 4, puisqu'il touchait entre 250 et 300 à l'OM. Et les 75 000, c'est l'accord salarial qu'il avait avec Montpellier. Il y a ouais. voilà, C'est juste pour terminer le, ouais. le, le, le suis... cas Germain. Donc, y... Puis il faudrait qu'il fasse encore un effort parce qu'aujourd'hui, Saint-Etienne, des retours qu'on a, c'est 60 000 euros bruts. Hein. Euh, attention, on sait bien qu'après intervention sur une télé égyptienne, Mostafa mmh. Mohamed, on avait 8 millions d'euros pour le pays. Hein. Mais on a, on, a, on a des comptes financiers qui sont euh, variants. C'est la bourse à Saint-Etienne, hein, ça, ça bouge vite. Hein. Tiens, Kevin, dans le chat, est-ce qu'il y a des noms qui ressortent un peu plus que les autres euh, en espoir de recrutement alors, j'ai vu passer euh, comme une info comme quoi sur France Bleu, on aurait parlé d'une arrivée d'un défenseur. Euh, j'ai pas eu de nom euh, qui ont filtré. On a RPSS qui nous demande un retour de Boubacar Sanogo. Euh... Ouais, je vois du Gonzalo Bergessio, du Daniel Dellos. <laughs> j'ai euh, <laughs> Olilio euh, qui dit il faut pas charger Puel, d'accord, mais Beric, il avait voulu le garder, il l'aurait pu. Et pareil pour Honora. Et on a Piazza, le breton, hein, qui est le meilleur pseudo du chat, probablement. Euh, si le mercato reste blanc, il ne fera pas s'étonner du classement en fin de saison, à moins d'un miracle. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Oui, parce que tout à l'heure, Eric nous disait entre 12 et 16, mais si, si en janvier on est entre 12 et 16, pour moi on est bien. Hein. Enfin... Avec, la canne, avec la canne qui arrive, qu'on redoute tous depuis le départ, euh, ça fait très, 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 très peur. Alors pour la canne, je me permets de mettre un, une petite. Euh... Un, un, un petit bémol C'est que euh, j'ai discuté récemment Avec pas mal de, de, de supporters d'autres clubs J'ai l'impression que tous les clubs de Ligue 1 Peut-être à part le PSG euh, Sont déprimés par rapport à la Cannes Enfin, enfin le tous, main les main de, de, ouais. tous les ouais. autres clubs De, de Ligue 1 n'ont pas notre effectif hein. Ça c'est enfin, Ça c'est hein. <laughs> très très vrai par contre <laughs> Et ils n'ont pas que... Charles Abbey et Jean-Philippe Crasso euh, pour assurer. Hein, ouais. <laughs> bon, et on, on, on parle mercato. Le mercato, c'est la vente de joueurs. C'est l'achat de joueurs. Mais euh, en ce moment, il y a une autre vente qui est en train de se négocier. C'est la vente du club. Alors, euh, on, on va profiter de la présence de Benjamin ici. Euh, Est-ce que tu as. Euh, des, 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 des infos euh, sur, sur l'avancée un petit peu des, des dossiers de, de vente de la S Saint-Etienne est-ce que est tu en sais un peu plus est-ce que tu peux nous faire un petit point de l'avancée euh, de la vente alors, euh, alors avec... bah, le, le... au point il a été donné par, par, par Bernard dans l'équipe la semaine dernière c'est qu'effectivement on a on a un challenger officiel qui s'appelle Olivier Marcarian euh, que bien entendu Roland Rémillet aimerait voir à la tête de la SS parce qu'il aimerait lui donner le bébé puis ça lui permettrait de rester au club surtout, ça serait pas ouais. con euh, <laughs> nous, ce qu'on sait, euh, qu sait, ce qui est sûr évident à 100% c'est que Olivier euh, Marcarian n'a pas accès à la Data Room aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'a pas déposé de dossier auprès de KPMG et il n'a pas le financement nécessaire aujourd'hui pour reprendre la SS. Après, moi je veux bien qu'on qu privilégie un, quelque chose de local, hein, je n'ai pas de souci avec ça non plus, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'à cette heure, Marcarian n'a pas les fonds. On veut, on veut aussi nous dire qu'il y a une guerre permanente entre, entre Roméillé et Cayazo. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Romy et Cayazo, ils s'appellent encore trois fois par jour, que ça se passe très bien et qu'il n'y a pas de problème. Que Bernard Cayazo, lui, essaye avec Madame de trouver effectivement euh, des solutions. Euh, que KPMG, alors moi c'est ce que je sais via KPMG, il n'y a pas un dossier en plus euh, surprise dont on n'a pas le nom. Il y a deux dossiers qui ont été déposés, qui ont l'air assez sérieux. Je n'ai pas l'identité des deux. Dernière petite chose, parce que ne faut pas l'oublier non plus, c'est qu'aujourd'hui quelqu'un qui veut racheter le club, il n'achètera pas 90 ou 100% de la SS, il ne rachètera que 67% de la SS, car oui, comme oui. vous le savez, il y a toujours 22% de la SS qui est bloqué par la justice. Et que euh, notre, cher, notre cher Jacques Poli, adoré par la planète entière, notamment par ceux qui sont au-dessus des cieux, euh, ils essayent de, le, de racheter les parts de Carvalho auprès de la grâce qu'un organisme d'État. Voilà. Mais justement, ces parts par qui sont bloquées euh, par la justice, euh, c'est parce que, parce que les, tout n'est pas encore jugé et qu'il y, y a encore des choses à, à délibérer. Est-ce que toi, tu non, sais... non, non, non. Non, non, ça, 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 ça n'a ça, ça absolument aucun rapport exactement à ce que tu viens de dire. Je crois que c'est Eric qui a parlé. Non, euh, Max, Max. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Carvalho, lui, il a été jugé, il a été condamné. D'accord Donc, ça, il n'y a pas de problème. Les parts de la SS ne lui appartiennent plus. C'est-à-dire qu'elles elles ont été, entre guillemets, gelées. Donc, elles appartiennent aujourd'hui à l'État. Et à l'État, donc, cet organisme qui s'appelle la Grasse, qui, qui fait absolument ce qu'il veut, qui peut les revendre à qui il veut qui peut les revendre quand il veut, et rien n'empêche de penser qu'un jour, il y aura quelqu'un qui les rachètera et qui les redonnera à Dao Carvalho. Ça, c'est aussi une possibilité qu'il ne faut pas, faut pas exclure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a 22% du club qui ne peuvent pas être vendus à un repreneur et qui sont toujours propriété de l'État. Voilà. Donc, en, en fait, on est le seul club français où nos joueurs oui. sont fonctionnaires, du coup même mieux, ah mieux c'est-à-dire que c'est détenu par l'État, ce qui est payé par mes impôts, donc le projet Socios prend tout son sens. On est tous un peu euh, actionnaires même de la... Même les supporters lyonnais sont Socios de la saint étienne Et ça, c'est beau, beau pour la fraternité. Non, non, mais voilà, juste pour, juste pour terminer, c'est que le tandem, le tandem Poly rousset a fait une demande officielle auprès de la Grasse pour essayer de racheter les parts de Carvalho et de rentrer à l'intérieur du club de cette manière-là vu que Roland Romeillé les déteste et vu que de toute façon, ils pourront pas avoir accès, bien entendu, à tout ce qui se passe et tout ce qui est demandé par KPMG, puisqu'il y a une demande, et ça, on a un peu, en, a un peu tendance à l'oublier, mais il y a quand même une mise de départ imposée par, par oui, RRBC oui. qui est de 100 millions d'euros. Oh, et aujourd'hui, voilà, aujourd euh, la Data Room... Aujourd'hui, moi, ce que la seule chose que je, dont je suis certain, ça m'a été confirmé, c'est qu'il y a deux dossiers qui remplissent ces conditions. Est-ce que ce sont ces deux dossiers qui vont le, qui vont arriver en finale J'en sais rien. Dernière petite chose, et c'est vrai qu'il faut aussi le dire, c'est que la volonté d'un président peut annuler celle de l'autre. Voilà. Donc, on sait, c'est encore quelque chose qui va être simple cette affaire. Oh là là. <laughs> ouais, et puis après on pourra ajouter aussi d'autres d'autres facteurs, euh, notamment le fait que bon. Alors, de ce qu'on sait, il euh, y aurait euh, un fonds de pension et euh, un conglomérat ou un milliardaire euh, suisse qui serait sur le dossier. Dernier retour qui qu sont sortis dans la presse, notamment. Mais il y a aussi un truc qui va être marrant et on pourra en faire sur notre émission c'est que si jamais le club se retrouve vendu avant le 31 décembre, comme prévu actuellement par les présidents, euh, Puel t'en fait quoi Parce que quand tu es un investisseur, un mec qui a les clés du club littéralement en tant que manager général. Est-ce que tu continues ta saison avec ou est-ce que tu le dégages Qu'est-ce que tu fais de son staff, qu'est-ce que tu fais de l'entourage Qu'est-ce que tu fais du mercato de janvier qui va arriver Parce que moi je pense que les présidents s'ils si veulent vendre avant trop intéressant, c'est pour un truc tout bête, c'est que saint etienne est vendable aujourd'hui. Fin de saison, c'était 18e du classement, c'est compliqué de vendre ton club avec avec les exigences que tu as. Je pense même que c'est plus urgent que ça, nettresque au niveau trésor. C'est ça qui m'inquiète, oui. c'est même ça qui m'inquiète un peu plus. Après Franchement, euh, si demain quelqu'un arrive au mois de décembre, euh, il sera content d'avoir que 5 mois d'indemnité à payer si jamais il veut se séparer de plutôt que 2 plutôt que, plutôt que ans. Quoi. Voilà. Mais encore une fois, on n'en est, est, est pas encore là. Quand on dit qu'on supporte un club à part, ça euh, n'a jamais été aussi vrai, je pense. Alors, messieurs, y, y, on, on approche des 22 heures là. Euh, Benjamin, on va profiter de ta, ta présence euh, sur, sur un dernier sujet. Euh, effectivement, je vois Manu63 euh, dans, dans le chat qui nous parle du départ de, de Lyonnais, donc le directeur de, de la communication du club. Voilà. Enfin... Ah, ne, ne me faites pas dire ce que je ne dirai jamais. bah Du coup, on va savoir maintenant. <laughs> non, 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 la seule chose que je puisse dire, c'est que... Euh, ce départ a été demandé et obtenu par euh, le nouveau directeur général du club, Monsieur. Voilà, voilà. Et c'est pas, c'est pas Lyonnais qui est parti lui-même. Il a ah. tout simplement été renvoyé par Soukass. Voilà. Ah. Ça okay. change pas mal de ouais. choses. Oui, là, non, non. Mais, voilà, c'est aussi simple. Après, Il est moi, gentiment je... accompagné par la, so vers la sortie, quoi. Oui, oui, mais voilà. Je, moi, je, j'ai, pas de, j'ai plus d'animosité. C'est quelqu'un qui. C'est quelqu'un que je connais très bien puisqu'on se connaît même des années l'équipe. Voilà, j'ai pas, j'ai vraiment, je suis pas le genre, suis pas le genre à tirer sur une ambulance. Moi, j'ai, j'ai eu mauvais rapport avec lui à la fin. Il s'est un peu servi de nous à une époque. Voilà, il nous l'a fait un petit peu à l'envers. Mais bon, après, voilà, je sais que le club le remplacera pas. Et bon vent à lui pour ses diverses occupations. Mais bon, voilà, c'est une, page qui se tourne, c'est sûr, puisqu'il était quand même, comme tout le monde le sait, très proche de Roland Ouais, et puis, puis euh, oui, pardon, je t'écoute, vas-y. solution en interne, je pense qu'on on voit. enfin, Ça va être sûrement le CM qui va reprendre un peu les rênes euh, de tout ça. Euh, Mais, ça euh, je du... Joël Gomez qui va reprendre un peu le truc, je pense. Ouais, je, je, ça va être Joël et, et Thomas Granger, je pense, qui vont, qu vont faire ça. Et euh, non, surtout, je pense que Lyonnais, c'est aussi euh, quelqu'un qui, bah, comme tu as pu le, le faire dire à demi-mot, c'est quelqu'un qui n'était pas tellement en odeur de sainteté du côté des journalistes, surtout ces derniers temps. Donc, c'était un départ euh, prévisible, mais pas aussitôt, je pense. Euh, alors, je suis, alors, je suis complètement d'accord avec toi, je suis assez surpris par le timing. Euh, en odeur de sainteté auprès de certains journalistes, euh, euh, dis bien certains, ouais, parce qu'il y, y en a qui s'entendaient très très bien. Oui, oui. Eh c'est sur, sur ces bons mots, messieurs, qu'on va s'arrêter là pour ce soir. merci euh, d'avoir été euh, avec nous. merci, le chat, vous avez été particulièrement nombreux ce soir. Euh, merci. Euh, merci d'être là. j'ai vu encore jusqu'au bout il y avait du débat euh, sur les propuels, les antipuels. quoi qu'il en soit, on est tous supporters des verts et euh, on se tient les coudes cette saison parce que elle va pas être facile. on a un peu déprimé ce soir. mais euh, ne perdons pas espoir parce que c'est parce que notre club, on l'aime et il a encore. Euh, Beaucoup de belles choses à, à nous montrer dans les années qui viennent. Merci d'avoir été là ce soir. N'oubliez pas de follow euh, la chaîne sur Twitch, de vous abonner euh, sur, euh, sur Twitter au compte Saint-Étienne Inside qui a été créé cette semaine. Et puis euh, et puis n'hésitez pas hein, toujours à aller voir les, les publications de 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 Saint-Étienne. Merci beaucoup Benjamin pour ta présence. Merci beaucoup à vous. C'était très sympa et euh, longue vie à la SS bien entendu et longue vie à Etienne inside c'est top ce que vous faites continuez comme ça Bravo. merci beaucoup pour euh, le petit merci, mot d'encouragement ça fait plaisir merci Eric merci Kevin merci Max on se laisse pour ce soir le prochain match c'est le 12 septembre contre Montpellier et d'ici là vous aurez euh, probablement euh, de nos nouvelles que ce soit par les réseaux sociaux ou ici même sur Twitch bonne soirée à tous à très vite ciao merci à tous allez les verts bonne soirée bonne soirée au revoir